Et donc, les potes de tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais créer une fausse pub pour la marque Nutella, les gars. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept, je vais devoir créer une pub comme si elle passait à la télé d'ici une semaine. Cette vidéo, c'est le troisième épisode de la série Je crée une pub pour Nana. J'avais du coup fait le premier épisode pour la marque Pringles et le deuxième pour Coca-Cola. Donc là, pour le troisième épisode, on fait ça pour la marque Nutella. D'ailleurs, si vous voulez un quatrième épisode, dites-moi, vous voulez que je fasse ça avec quelle marque? Bon, en tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. On rush les 1700 abonnés. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. On se donne un petit objectif de 40 likes. Je sais que vous en êtes capable, donc let's go. Bref, on est parti pour la vidéo. Bon visionnage. Ok, donc la première partie de la vidéo, ça va être la création du décor de la pub. Et donc pour cela, voici mon matériel pour le décor. Donc on a deux planches blanches. Wow, ça fait bizarre à dire. Mais du coup on a ça pour le décor. Bon, je pense que c'est un peu difficile à comprendre pour le moment comment ça va être, mais vous verrez une fois que ce sera monté. Et on a quelques lumières, celle-ci, deux petites ici, pour pouvoir du coup luminer, ça se dit ça? Luminer en tout cas la pub. Bon, je sais pas ce que je dis, mais bref, c'est parti. On construit le décor de la pub. Let's go. Le plateau pour la pub. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer toutes les lumières, c'est-à-dire genre celle-là et les deux petites que j'ai en bas. Et après, normalement, on sera good. Je pourrais commencer du coup le tournage de la pub. Donc let's go, on place les lumières. La première lumière, celle-ci, ça va être celle qui va être en face du Nutella. Celle-ci, elle va être là en gros, comme ça, elle va pouvoir éclairer. Maintenant, j'ai deux petites lumières là. Donc celle-ci ici. Ça va éclairer comme ça. Et donc pour la deuxième, ça va être pareil, mais dans l'autre sens. Ouais, à peu près comme ça, quoi. Ah ouais, comme ça, ça rend pas mal. Les gars, je sais pas comment vous en pensez, mais en vrai, ça rend plutôt pas mal. Les lumières, elles sont tellement bien symétriques que regardez là, ça fait un arc de cerf. Parfait. Bon bah du coup c'est parfait. Maintenant j'ai plus qu'à placer qui va me servir de caméra pour le tournage de la pub. Parce que d'ailleurs, petite particularité, la pub va être filmée à l'iPhone, avec l'iPhone 8. Donc voilà, c'est un petit défi que je me suis donné. Ok, en vrai je pense que là on a plutôt un bon plan, genre. Regardez ce que ça rend. Donc là hop, on a notre plateau. Et ici hop, ça rend comme ça la vue. Et donc en vrai je trouve que ça rend pas mal. Donc maintenant je peux commencer le tournage de la pub. Donc bah c'est parti, let's go. Je crois que nous sommes sur une fin de tournage. Voici à quoi ressemble le plateau de la pub à la fin du tournage. Bon, en vrai je pense que là du coup j'ai largement assez de plans, sachant que la pub va durer je pense entre 15 et 20 secondes, donc ce qui va dire qu'elle est quand même plutôt courte et que j'ai pas besoin de forcément une centaine de plans. Donc je pense que j'en ai assez. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est ranger tout ça et ensuite je vais aller du coup en haut sur mon PC et on va directement commencer le montage. Donc je range tout ça et ce que je vous dis, c'est à tout à l'heure pour le montage. Je viens de finir de ranger tout mon matériel en bas, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est passer directement au montage. D'ailleurs, voici les rushs, les gars. Il y en a 6, et en vrai, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y en a largement assez pour une pub de 15-20 secondes. En plus de ça, j'ai déjà ma musique. D'ailleurs, je vous mets le petit extrait de la musique maintenant. Voilà, en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne pub avec ça. Donc du coup, c'est parti pour le montage, let's go.
bien les gars, je viens à l'instant de terminer la pub pour la marque Nutella. En vrai, ça va, je suis plutôt content, même s'il y a quelques plans qui sont pas ouf dans la pub. Genre, je pense que sur 10, je mettrais une note de 7,5 sur 10 à peu près, ce qui ferait du coup 15 sur 20. Donc en vrai, ça va, c'est plutôt une bonne note. J'ai carrément mis un jeu de mots à la fin de la pub, je vous laisserai le voir. Et puis bah voilà quoi. Donc je vous laisse dès maintenant avec la pub, elle dure 28 secondes, donc c'est parti, bon visionnage. Vous cherchez la meilleure pâte à tartiner? Le Nutella. Et bien voilà les gars pour ma pub. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire via une note sur 10. Aussi comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo les gars, ça fait extrêmement plaisir et surtout ça soutient énormément. Et puis voilà, selon vos retours, je ferai peut-être un épisode 4. Et donc moi ce que je vous dis, c'est un prochain live ou à une prochaine vidéo. C'était Raforce. Bref, ciao les gars.